et Clément Rodriguez. Le coup d'envoi vient d'être donné. Thierry Lauré, alors que les Bastiais attaquent déjà avec un bon ballon pour Tramoli de la surface de réparation. Un peu bousculé à l'épaule. Il va déborder Bonner. Il se donne un peu d'ouverture. Le ballon au centre pour Rodriguez. La reprise de Rodriguez en deux temps. On s'en passe à côté. La première frappe en volée à l'angle des 6 mètres. Clément Rodriguez, il s'est jeté sur ce centre fort de Florian Bonner. Le gardien, allez, Lisandro Drummond, le petit ballon pour Bonner. Il a du champ pour centrer. Bonner en retrait. Tramoli, oh, ça passe sur le petit filet. La frappe de Clément Rodriguez ou de Lisandro Drummond. Igualé, Ragui. En fait, ce joueur bastiais, c'est Amine Boutra qui s'est infiltré en fait. Il est plutôt côté gauche qui cherche lontanissimo à Clément Rodriguez. Et l'arbitre, monsieur Rémi Amezudereno, Sioga et Kugi au secondo tempo per te Awa. Lisandro Drummond qui est parti. Il avait sur le dos le numéro 3. Qui, attention, le ballon peut-être pour Rodriguez. Ah oui, vas-y, mais voilà le premier but bastiais. Le juge de touche ne lève pas le drapeau. Rémi Landry ne dit rien. Le Sporting ouvre le score sur un ballon venu côté droit de Lisandro Drummond qui s'est un peu perdu dans sa passe, c'est vrai. Mais les défenseurs de Martigues se sont perdus aussi. Et l'opportuniste, le vigilant, le renard Clément Rodriguez qui va jusqu'au bout de son dribble, jusqu'au bout de son sprint surtout pour mettre un bout de... trop profond. Attention, c'est Martigues. Attention les Bastiais. Oh, faut pas se laisser surprendre. Rémi Landry qui regarde son chronomètre, mais t'inquiète, il va dégager, c'est fini. C'est fini. Ce match est terminé. Le Sporting remporte sa première victoire à l'extérieur après avoir...